Après des années, de nombreuses demandes de votre part, il est de retour, ce mode de jeu emblématique, FDPUHC. Et oui, le titre est vraiment ce que vous pensez. Un jeu sur Minecraft à base de manipulation, de trahison, de perte d'amitié également. On vous propose un deal si vous voulez les gars. On prend l'Artcom mais on prend pas Sophine. Moi je suis archi chaud. Ok. Vas-y, je suis chaud. Je suis archi chaud. Yes! Non! Et voilà! Et voilà le kill, les gars! Il y a explosé son pyro! Les règles sont simples, il n'y en a pas. Chaque joueur spawn en solo à un endroit de la map. Le but, c'est d'être le dernier en vie, tout simplement. Tout est autorisé. Des alliances, des trahisons, absolument tout. Tant qu'à la fin, il n'en reste qu'un. Et pour les plus anciens d'entre vous, vous savez que je portais à l'époque le titre de FDP Ultime. Alors on est reparti, plusieurs années après. Et d'ailleurs, vous devriez vous abonner à la chaîne. Non, là, c'est pas de la manipulation. Non, là, c'est une invitation à me faire atteindre les 400 000 abonnés avant la fin de l'année. Ah, et n'oubliez pas aussi de liker pour le retour. Allez, c'est parti! Allez, c'est parti pour la game. En vrai, le start est trop stylé. Hein. C'est trop stylé le start. Alors, on va attendre, on va aller très loin. On va voir s'il peut pas y avoir un manoir. Genre, par exemple, ça, tu vois. Genre, par exemple, ça. Si dès le début, je peux choper un totem. Bon, le truc, c'est que par contre, ça va me demander tellement de. Enfin, c'est un peu risqué, mais bon. Jusqu'à quand on a résistance? Parce qu'en vrai, là, je peux directement peut-être récolter un totem. Hein, si j'y vais direct là. Je peux peut-être me mettre bien directement. Ah putain, on peut déjà prendre des dégâts. Au pire, de toute façon, il y a du revive. Hein. Oh, alors toi, mon ref. MDR, allez hop. Je m'en bats les couilles. J'en ai rien à foutre. Let's go. Allez, c'est bon. J'ai mon totem. J'en ai rien à foutre en fait. Oh, je l'ai eu. Let's go, j'ai deux totems. Let's go, j'ai deux totems. Allez hop. Attends, est-ce qu'il y en a d'autres ou pas là? Il y en a encore un là-bas. Ah, ça y est, enfin. Allez, trois totems. Merci à tous. Allez, c'est bon, trois totems dès le début. Allez, au revoir, à bientôt. Voilà, c'est bon. Hein. Vu qu'il y a des revives jusqu'à 5 minutes, les gars, c'est bon, on en profite. Là, on est bien, voilà. Là, les gars, là, on est pas mal là. Oh putain, il y a les Vex. Ok, bon, du coup, on va chercher de la canne à sucre et du cuir. Il y a masse de canne à sucre de partout. Je vais tout récupérer et on va aller chercher masse de cuir et après on va les cave. J'ai honnêtement pas pour projet de sortir tôt. On va se stuffer, on va prendre notre temps et on verra après quoi. Ok. Parfait. Bon, hé, ça commence bien là. Vous en pensez quoi ce début de game là? Ah, c'est une seule utilisation de totem. Ah, bah du coup, ça sert à rien que j'ai autant de totems du coup. Bon, c'est pas grave. Au pire, on les garde quand même, on sait jamais. Hein. En vrai, est-ce qu'on se mettrait pas en netherite? Est-ce qu'on irait pas chercher de la netherite? En fait, je sais pas. Est-ce que c'est si worse que ça? À part peut-être l'épée en vrai, mais le reste, est-ce que c'est si worse que ça? Si je fais une épée de ouf, hein, c'est ça la question. Parce qu'en vrai, là, je peux même pas aller cave là, dites-vous. Hein. Là, je peux même pas aller cave. Oh, il y a des vaches. Let's go. Il y a des vaches, ça régale. Les montagnes, elles sont gigantesques. Hein. Par contre, on en parle pas assez, mais bon, en vrai, ça commence bien pour nous. Ça commence bien. Bon, l'avantage, c'est qu'en vrai, j'économise 8 blocs d'or, quoi. Ça, c'est l'avantage. Et en vrai, les autres joueurs pourront pas forcément avoir de totem comme moi j'ai. Il me faut encore du cuir là, il me faut encore. Hein. Il faut vraiment que je trouve plus de cuir que ça, il faut que j'ai plus de livres. Même si ça prend du temps, il faut que j'ai plus de cuir que ça. Limite, il faudrait vraiment que je fasse des bibliothèques en fait. Faut que je me balade à l'infini sur toute la map jusqu'à ce que j'ai des bibliothèques, quitte à ce qu'on sorte après. Bon, en début de partie, j'ai vraiment pris mon temps pour chercher le maximum de livres possible. Ça me sera notamment très utile pour augmenter le niveau de protection de mon armure. Je ne serais pas étonné de voir des gens avec du full protection 4 par exemple. J'avoue que mec, il y a pas de vache à air, c'est chaud quoi, tu vois. Alors, moi je vous le dis, je m'en fous de faire des kills dans la partie. Moi, je préfère que les gens en fait se tuent entre eux et moi je ramasse après, tu vois ce que je veux dire. Je m'en fous de faire des kills, j'essaierai de trahir mes mates assez vite parce qu'en vrai je pense que je pourrai jamais survivre jusqu'à la fin, je pense. Je pense qu'il va falloir que je trahisse avant que je me fasse trahir. Soundboard autorisé. Oui, tout est autorisé les gars, absolument tout est autorisé les frérots. C'est vrai que je pourrais changer ma voix mais après bon, ils vont vite capter que c'est moi, je veux dire ça s'entend que j'ai une soundboard, tu vois. Si jamais genre je sais pas, je fais ça mon gars, tu vois. Là, je sais pas mais ils vont vite capter, tu vois. À la limite le faire peut-être un peu de l'autre côté, tu vois. Je pense qu'ils vont capter que c'est moi, tu vois. Juste à ma façon de parler, à mon avis, même si je parle comme ça, ils vont capter que c'est moi. Vous voulez team avec moi les gars? Est-ce que vous voulez qu'on fasse une alliance ensemble? En vrai, vous savez quoi? Je suis 100% sûr. Ils vont croire que c'est Bichard. Sauf que vu qu'ils aiment jamais, enfin ils aiment toujours ne pas tuer Bichard, en fait, je vais juste me faire passer pour lui. Ça faisait donc extrêmement longtemps que j'avais pas joué ce jeu-là. Il y a donc eu forcément beaucoup de changements. Et même au niveau des joueurs, j'ai invité dans cette partie des streamers et des viewers, afin qu'il y ait un renouveau, qu'on mélange tout ça pour voir ce que ça donne. Ça peut potentiellement donner des choses intéressantes, des alliances de viewers entre eux pour décimer les streamers et vice versa. Mais de mon côté, ça peut aussi me poser pas mal de problèmes. Il peut clairement y avoir une alliance dans le but de m'éliminer direct. Donc pour parer à ce souci, il y a plusieurs stratégies possibles. Soit réaliser un piège, comme j'avais tenté de faire dans les premières parties à l'époque, ce qui s'était toujours soldé par un échec. Soit je peux tenter d'aller réaliser le meilleur stuff possible pour résister. Je rappelle qu'on est en 1.19 maintenant, qu'il y a des nouvelles caves et même un nouveau minerai supérieur au diamant, la netherite. Mais bon, le meilleur stuff possible me permettra pas de résister en 1v10 par exemple. Soit je peux tenter de cacher mon identité. Et là, on touche peut-être une stratégie plus intéressante. En effet, tous les pseudos sont cachés, les morts également dans le chat, ce qui signifie qu'on ne sait pas quand quelqu'un meurt, ni par qui. Et surtout, les skins sont également cachés. Il ne reste plus qu'une seule chose à changer par conséquent, la voix. Ah, ça risque de donner quelque chose de vraiment marrant ça. Oh mec, en vrai, j'aurais dû installer la soundboard en vrai.
aurait dû installer la soundboard et faire comme Gap il avait fait une fois, il avait installé des sons de narco qui insultent tout le monde, genre tu vois. Ça aurait été énorme. En vrai, ça aurait été trop bien. Il nous reste donc plus qu'à mettre en place la modification de voix. Et c'est là que ça va partir en steak. Fais une soundboard de toi-même pour que les gens pensent que c'est quelqu'un qui troll. Ouais, j'avoue. Salut à tous. Salut à tous. Parfait. Nickel, comme ça ils vont croire ça. C'est énorme. Je vais faire croire que c'est quelqu'un qui a une soundboard avec moi. Mais c'est masterclass en fait. Je vais juste faire croire que c'est quelqu'un qui se fait passer pour moi en fait. J'aime bien en fait. J'aime bien ça. T'as pas des gaps pour moi, j'en ai trois. Et j'arrive à côté de quelqu'un et je dis ça. T'as pas des gaps pour moi, j'en ai trois. J'arrive à côté de quelqu'un et je dis ça. Je spam juste ça. Retourne dormir, gros fils de pute. Ouais, ok, d'accord, ouais. Ouais, ça c'est... En vrai, attends. Gros fils de pute. Ça marche trop bien. Ah, c'est génial. Mais oui, je sais que Gap il avait fait ça sur moi justement. Je le plagie, je lui reprends sa strat. Faut pas que j'oublie que voilà, à tout moment je me transforme en... Ouais, j'ai la transformation ogre qui est dispo. Ok, c'est pas mal, j'aime bien. En vrai, faudrait un clip de Nartco comme ça. Quand je suis à côté de Nartco, je mets la voix de Nartco. Ouais, ça serait trop marrant. Ouais. En vrai, je vais me mettre full fer, vous savez pourquoi? Je vais mettre full fer comme ça si jamais il y a quelqu'un en cave, il va forcément me rusher. Sauf que le truc c'est que vu que j'ai un totem, je le démonte en fait. Et du coup, il pourra rien faire. Parce que j'aurai forcément résistance et tout, donc j'aurai le temps de le tuer, je pense. Bon allez, il faut du diams là les amis, il faut du diams ça. Faut combien de diamants pour faire des élytras? Je crois que c'est genre 6 diams, hein, je crois. Je vais faire un peu mon stuff parce qu'en vrai là, si je tombe sur quelqu'un, je suis dans la sauce. Donc je vais juste faire un peu mon stuff. Putain, on a rien quoi. Par contre, niveau or, on est à combien? On est à 14, pareil, c'est pas ouf. Hein. Va falloir que je mine beaucoup, je pense, hein, les frérots. À mon avis, il va falloir que je mine. Hein. Ok, j'ai 3 diamants, bon c'est pas terrible. On va peut-être directement en vrai faire l'épée en diams. En vrai, faut le faire en chant, c'est si je croise quelqu'un, au pire je le tabasse avec mon totem en vrai, hein. C'est pas si mauvais. Hein. Pour le coup, j'ai juste pas de pomme rouge, c'est juste ça le problème qui va être chiant. Je vais jeter ça et ça du coup parce que ça me sert à rien vu que j'ai le droit d'utiliser qu'un seul totem. Moi je pense que la stratégie la plus simple c'est jouer normal, se stuffer à mort, et ensuite dès qu'on voit un mec, on le tue sans état d'âme, on le fume en fonction de son stuff, bien sûr, on parle 2 secondes avec lui, on le tabasse, tu vois. Et en vrai comme ça, si je peux récupérer des gaps sur lui et tout, ça peut être sympa. Mais faut juste que je sois full diams en vrai. Faut que j'ai de quoi le dropper. Parce qu'en vrai, avec ce PVP, on peut dropper assez rapidement, tu vois. Avec le totem que j'ai, je pense que je suis quasi certain de tuer la personne. Hein. Parce que ça veut dire que vraiment, j'ai 2 barres de vie quasiment pour le tuer. Donc en vrai, même si je suis full fer, je suis bien. Hein. What the fuck? Putain, le mineshaft de fou, quoi. En vrai, est-ce que je prends des fils ou pas pour faire un petit arc? On peut prendre des fils, hein, en vrai. Hein. J'ai toujours pas de diamants, hein, ça me fait chier. Hein. Ouais, pour être honnête avec vous, c'est un peu insupportable. Vous savez ce qu'on va faire, les gars? Moi, j'ai un gameplay de FDP, moi. Moi, j'ai un gameplay de FDP. Oh oh. Oh oh. Oh, c'était sûr, putain. Putain, mais ça tape à 10 km ce truc, c'est chiant. De toute façon, faut que j'aille me faire des pommes là, je pense. Est-ce que ça marche si je prends ça ou pas? Ah, ça marche! En vrai, je joue avec ça, hein. Je joue avec les cobwebs, hein. Je pense qu'en vrai, c'est un bon truc, hein. Faut que j'aille me faire des pommes maintenant là. J'ai aucune pomme rouge, hein. Je peux pas continuer à miner comme ça parce que s'il y a un gars qui me saute dessus en cave, je suis mort. Hein. Je vais remonter, je vais chercher des pommes en vitesse avec mes shears et je redescends juste après. Comme ça, au moins, je me remets full vie là. De toute façon, faut que je prenne juste 4 gapples, donc ça va le faire. Et après, faut que j'aille chercher du diams, quoi. C'est un truc de fou, quoi. J'espère que je sors pas sur quelqu'un, c'est juste ça. Oh, je sors en plein milieu d'une cave, c'est une dinguerie. Donc là, bon courage, hein, pour trouver des arbres à pommes. Bon, je vais prendre sur ces petits arbres à la con. Hein. Oh, il y a une tour de pillager. Oh, il y a un portail du Nether surtout là-bas. Ça me plaît pas ça. J'aime pas trop ce que je vois là-bas. Je vais me faire des gapples, hein, direct les gars. Hein. Excusez-moi, mais je vais pas trop perdre de temps parce que en vrai là, s'il y a quelqu'un qui me saute dessus, faut que je puisse me défendre quand même. Sinon, je peux peut-être bomber quelqu'un dans le Nether, récupérer son stuff. En vrai, hein, ça peut être une option aussi. Hein. Oh, ça va, j'ai 8 pommes. En vrai, c'est ok. Bon, je retourne miner parce qu'il me faut encore du diams du coup. Enfin, il me faut du diams tout court en fait parce que là, j'ai rien. Et niveau heal, on est pas mal. C'est juste niveau diams là le problème. Faut juste que je me trouve un peu de diamants et après j'essaie de faire le FDP quoi, je pense. Hein, en vrai. Mec, y a pas un seul diamant dans ce jeu. C'est incroyable. Y a pas un seul diams là. Je vais sortir full fer, quoi. Oh, let's go, plastron, première pièce, yes. Y'a personne qui est mort en 2 heures là vraiment. Si, c'est juste que tu connais pas les morts, c'est juste ça en fait. C'est là, regarde dans le tab, il reste. Ah bah y'a un mec qui vient de mourir à l'instant, y'a un gars qui vient de s'enlever du tab. En vrai, on commence à avoir un bon stuff, mine de rien. Là, avec tout ça, là, je vais faire ma petite T4. On a masse d'or, ça fait plaisir. On a notre petit totem, on est vraiment bien, quoi. Hop là. Ouais. Des petites élytras. Let's go, des petites élytras avec 21 de dura. Bon, c'est. Enfin, 21 de firework. Faudrait que je trouve de la gunpowder, ce serait sympa. Je fais juste ma sharpness 4 et je me casse là. Comme ça, je vais aller au 0-0 et je vais y aller en élytra, mon gars. Et on va faire une petite alliance. D'abord, j'ai tellement d'or, mec, j'ai jamais eu autant d'or dans une game. C'est un truc de fou, quoi. Alors là, vas-y, hein, que quelqu'un me tue, je suis la poule aux œufs d'or. C'est une dinguerie. Allez, sharpness 4. Ouais, bon, mon stuff est pas ouf, mais en vrai, ça va. Il y a forcément des gros malades qui vont faire protection 4 de toute façon. Donc bon, faut pas que j'oublie de mettre la voix parce que là. Attends, je vais la mettre direct parce que. En vrai, je vais oublier après, donc faut que je la mette direct. Hein. Parce qu'après, je vais oublier. Vu que c'est anonyme, ils sauront pas que c'est moi en vrai. Avec cette voix là, ils sauront pas que c'est moi, donc. C'est bon, vous inquiétez pas, les gars. C'est bon, y a pas de problème. Ok, il faut que je change mon intonation de voix, ok. Je parle un peu différemment, je pense. Comme ça, en fait, là, peut-être qu'on me reconnaîtra pas. Si je parle comme un gars, peut-être qui parle avec un accent genre marseillais. Mais j'ai pas d'accent marseillais. Putain de con, tu crois que je sais prendre l'accent marseillais? Regarde, c'est une honte. C'est une honte ce que je suis en train de faire là, tu vois. Je peux pas parler comme ça quand même. T'as pris tellement de temps que tout le monde va savoir que c'est toi. Bah non, parce que les gens vont juste penser que je suis mort en fait. Les gens vont penser que je suis mort. Hein. J'ai 23 gapples. Ok. Par contre, j'ai pas assez de pommes. Hein. C'est pas grave. On va jouer avec les cobwebs. Hein. J'avais pas plus de cobwebs que ça en fait là. J'ai 8 cobwebs. Attends, mais on n'a pas joué au même jeu, je crois. Hein. Je crois qu'on a pas joué au même jeu. Hein. Attends. On va aller voir le 0-0, les gars. Oh, ça, c'est vraiment un truc de fist up. Ça.
Gros fils de pute. On est 17. 6, ils sont 5. Non. On est 17. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Gros fils de pute. Ouais. Si, si. Ils sont dans la team de Restal. Mais qu'est-ce qu'ils font en fait? C'est quoi le problème là? Il se passe quoi en fait? Qu'est-ce que vous faites ici là? Pas du tout prêt, mec. Pas du tout. Allez, c'est qui là? Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes prêts, les gars? Viens avec nous, viens avec nous. Oh le bâtard! Le bâtard. Mais qu'est-ce que tu racontes, frère? Tu racontes quoi en fait? T'es pris pour qui en fait, mon refaire? Oh. Et voilà. En fait, je rigole zéro, moi en fait. C'est ça le problème. Tu crois que je rigole en fait là? Ou quoi là? T'as pas envie de me fight, hein, je te jure. Ah ouais? Ouais, je pense. Tu crois, t'as le modificateur de voix ou quoi? Retourne dormir. Un nice lesson board, hein. Tu racontes quoi, frérot? Je raconte le compte. Allez, au revoir. Quoi ce bordel? Moi je tue tout le monde, j'en ai rien à foutre. Il va récupérer mon stuff, le bâtard. J'ai cherché le stuff. Wouah! Par contre, il y a des mecs, c'est des tarés, frère. Ils ont fait du full nésorite là-bas là. Oh. Bonjour! Ça va? Ça va, mon ref? Moi je suis avec vous, hein. Ouais, t'inquiète pas. Ça va nickel, ouais. T'as pas des flèches, mon ref? J'en ai 15 si tu veux. Ah, franchement, je prends, hein. Je vous aide, hein. Je vous aide à tuer qui vous voulez. Bah, ils sont un peu, ouais, ouais. Tiens. Pause, ouais, vas-y. Et donne toi 2 secondes, j'ai pas confiance, on a essayé de me tuer avant déjà. Je rigole zéro avec toi, par contre. Tu vois, ça me fait rire là, tu rigoles en fait là. Ah, mais tu veux me tuer ou quoi là? Je me casse, les gars, je me casse. J'ai trop peur qu'en fait je me fasse attaquer comme ça en fait. J'ai trop peur de me faire attaquer comme ça, les gars. C'est plus safe les élytras avec le plastron dans mon état, dans l'état actuel des choses là. Ils ont fait un raid? Qu'est-ce qu'ils ont branlé? Ils ont lancé un raid? Oh, vous faites quoi vous? Venez, on fait une alliance contre eux là. Vas-y, pas de élytras, mon gars, t'es avec nous? Bien sûr, mon gars, je suis avec toi, t'inquiète. Je le démonte celui au loin, je le démonte, il est trop naze. Bah, je fais beaucoup de gaffe, je vais faire fight à l'épée. Hein. Y'a reste un sur moi, je crois. Les gars, sur moi, ils sont là. Venez m'aider. Ah, t'as une flingue, toi? Non. Hein? Vas-y, go, je suis là, je suis là. Ah, pardon, c'est. Ok, je savais pas qu'il shootait en fait. Mais pourquoi tu me tues moi? Mais je sais pas, je shootais non pas, je sais pas, y'a pas les pseudos, frère. Attends, mec, t'as des gars en vrai? C'était Thomas ou pas? C'est ça, ouais. Ouais, si, si, si. C'est moi tranquille, hein. Pourquoi y'a un mec qui veut me tuer derrière là? Vas-y, viens, on va là-bas, on va là-bas. Ça va, toi? Mais non, mais pourquoi il me tourne dessus? Arrête! Mais je sais pas, frérot, tout le monde veut me tuer! Bah, non, c'est toi là! J'ai très bien compris comment ça se passe. Il y a visiblement deux grosses alliances. Les streamers, avec Restump, etc., contre tous les viewers. Comme prévu, certains ont du stuff complètement pété à base de Netherite. Et la plupart d'entre eux ont également des élytras. Je peux donc ainsi me balader librement sans trop craindre de mourir pour l'instant. Le souci, c'est qu'il va falloir que je m'intègre à un groupe, et c'est là que ça peut se compliquer. Mon ref, en team ou quoi? T'es avec qui toi? Eh bah, viens en team, parce que mec, ils veulent me tabasser là, la team avec Dorfdoor et tout. La team de Restump, frérot, ils sont 5 là. Mais je sais, mais. Et Dorfdoor et tout, ils veulent me tabasser aussi. Ah, y'a un mec là-haut, viens, on va le tuer. Carrément, ouais. On va tuer le mec là-bas. Voilà. Wesh. Ça va, mon ref, on team ou quoi, mon ref? Je voulais pas tout à l'heure. Mais t'es qui en fait? Je sais pas, moi je t'ai rien dit, moi. Non, désolé. Ah, ouais, c'est ça, ouais. C'est descend, t'as peur ou quoi là? Bah, un peu. Tu cours, t'as chaud là? Ouais. T'as chaud en fait? Ouais. Il faut d'abord tuer la type de restump, hein. Mais oui, hein. Me tue pas, hein. Mais frérot, il y a encore tellement de gens. Je vous passe des aides. Vas-y, je prends, vas-y. Vas-y. Merci. Là en team, y'a pas de problème. T'as pas des gars pour moi, j'en ai 3. 3 Non, vraiment ou quoi? Non, t'as la fois 3. Moi j'en ai vraiment 3 pour le coup. Ah bah là pour le coup. Vas-y, 2 chacun. Vas-y, prends tes 2 toi. Que ça serve à quelque chose, moi là. Pour tuer Dorfdoor si vous voulez. Oh les gars, vous avez pas des pommes rouges en vrai, s'il vous plaît? Juste des pommes rouges. J'ai beaucoup d'or là. Vas-y, fais des chers, on fait des pommes. Viens, on va loin. C'est quoi votre stuff? Vous avez quoi? Full P4. D'accord. Et ton vrai stuff? Full P2. Ouais, voilà, on est d'accord, moi c'est pareil. J'ai full P3 plus une pièce P4. T'as full P3 et une pièce T4? Bah, venez, on y va là, c'est bon. Faudrait qu'on trouve de la gunpowder en fait. Si on trouve de la gunpowder, je peux mettre bien. Ah, mais y'a pas de mob en fait. Y'a pas des gars en haut qui campent et qui veulent venir nous. Si, y'en a 3, mais ils attendent je sais pas quoi là. Viens, on y va. Ah, ils viennent avec nous, on défend. T'es full P3, P4. Ouais, en vrai, Gual, les a invoqués là. Ouais, mais ils sont quand même 4. Ah, bah, attends. C'est qui? T'es qui? Viens avec nous, frère. Mais viens avec nous, mon roi. On a pas de team. C'est qui ta team? Bah, c'est moi-même et. Non, j'avais déjà mon skill en PVP. Mais non. Ah, elle est cool ta team, hein! Viens avec nous, on va tabasser la team de Restump là, ils font trop les mal. Heureusement que t'as changé de team parce que là elle était pas ouf. Ah, ça nous rejette aussi avec des élytras là. T'es qui, frère? T'es qui? Non, c'est un gentil, non? T'es qui? Parle! Parle en fait! On te tuera pas, mais tu parles pas là. Moi je le tue, frère. Parle ou tu meurs là? J'en ai rien. Ok, il reste avec nous. Il est sympa. Bah, reste avec nous, frère. Ils sont juste en dessous. J'ai plus de gamme.
Bah, ils sont en bas, ils sont en bas, venons les tabasses là. Vas-y, c'est bon, 5, on est 5, on est pas mal. On y va, il est tout seul. Ah, t'es pas sur cette 5, on se retrouve qu'à 3 là, les gars. Eh, le mec à droite là. Retourne dormir. Après, tu rigoles en fait. On te larqué, tellement bizarre. Mais par contre, les gars, on était 5, on se retrouve à 3. Hein. T'inquiète, c'est tout dans la tête. C'est qui derrière moi? C'est qui? C'est nous ou c'est notre team? Non, c'est moi. Oui, c'est nous, c'est nous. C'est notre team, c'est notre team. Tue-le. T'es qui toi? Il a claqué son totem. Il a plus rien, son totem il est mort, c'est fini frère. Oh il fait mal hein. Bah je sais pas, là il est mort frère, c'est bon. Regarde, il m'aime plus, je sais pas ce qu'il fait, tiens voilà tue-le. Mais j'en ai plus donc ça paraît logique. Voilà. Voilà c'est ça frère, au lobby. Il est avec des pièces P1. Non moi j'ai pas eu les gaps, hein. Je sais pas si vous avez mais... Si vous voulez j'ai... Bon, en vrai... J'en avais pas. J'ai pas eu les gaps non plus. On a une team soudée ça, j'aime bien. Bon c'est pas, faites pas trop les malins, ça sert à rien ça les gars, ça je vous le dis ça sert à rien ça. Ça sert juste à la dura et le non KB, ça sert à rien. Les gars les refs là, je vous propose, on se met tous sur un même pied d'égalité là, vous avez combien de gapoles là? On parle tous ça là. 0 moins 4 coeurs. 7. 0 moins 4 coeurs. Soyons honnêtes là un peu là. J'en ai 3 et une aide. Oui, oh mais t'as un stuff netherite toi, donc toi il t'en faut moins toi. Attends, toi t'en avais combien toi? T'as 17? 7. Ok, donc c'est plutôt ton tutu toi. Non non, je l'ai 7. Tout à l'heure tu m'as assuré t'en avais 40 donc. Mais j'ai pas dit que j'en avais 40, tu te trompes avec quelqu'un là. Vas-y, tenez. Drop, on veut savoir frère, c'est frère. C'est partage. Il en a pas donné tout ce qu'il a. Il a pas donné tout ce qu'il a, frère. Tu le frère, il parle trop mal. Oh, je t'ai laissé rentrer dans le bateau, putain. Pas trop mal, voilà, c'est ça, voilà, allez hop, ça va au lobby, frère. Comme vous l'avez remarqué, j'essaie de réguler la partie, en éliminant des adversaires, mais également des alliés quand c'est nécessaire. Ça me permet d'essayer d'accumuler un maximum de pommes d'or, ça pourrait m'être utile plus tard. Cependant, il faut que je sois discret, que les autres ne sachent pas cette information. Auquel cas, ils voudraient peut-être m'éliminer pour obtenir ces pommes. Écoutez, frérot, pas de problème, je vais vous donner, calmez-vous. Je vais vous donner, par contre, il a pas menti, par contre. Voilà, il a pas menti, frérot, tiens, je te dis qu'il avait. Il a vraiment pas menti du tout, en fait, c'est ça le problème. Je te le dis, frérot, voilà, j'en ai 14, d'accord. Voilà. Et si jamais vous êtes dans la je vous défendrai maintenant. Y a des gens là-haut. On va vous voler, les gars. Mais hé, les gars, je vais faire avec toi, regarde, on y va. Vas-y, hein. Vas-y quand tu veux. J'ai pas beaucoup de firework, hein, il m'en reste 7. Hein. Faut que tu m'en donnes si tu veux que je te suive. Ah, le fameux chef. Ton chef, il nous attaque là. Mais y'a un mec qui est. Wesh. Il est fou, lui. Ah dommage du coup hein. Mais tu veux patate toi? Ah j'ai plus de firework. C'est un tucker frère. Y'a un mec qui est mort là, je me demande si c'est pas... Mais... Oh le bâtard. Faut que j'aille là-bas. J'ai plus de firework, faut que je m'arrête. Si j'avais plus de firework, je peux continuer à faire le fou, mais là je peux pas là. Je peux plus prendre le risque d'y aller, j'ai plus une reste de firework. En vrai, là la strat, je sais pas ce qu'on peut faire. Faut qu'on attende un peu. Je vais remettre mon plastron moi. On va attendre un peu, on va voir de toute façon. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus là? Là-bas. Viens mon taureau, c'est viens mon taureau. Tu me reste avec moi. Qu'est-ce que tu racontes? Je crois qu'il y a Thomas sur l'autre montagne. Regarde là-bas, ils sont deux. Faut leur dire qu'on est là. Allez tiens, tu veux qu'on aille là-bas? Je leur dis de venir. J'y vais. C'est nous. Mais mec, si tu veux que je te suive encore, il faut que tu me files des fireworks. J'ai plus rien, frère. J'en ai plus. Ah merde. Mais j'en ai zéro. Là, j'ai failli tuer dwarf. Je l'ai mis un cœur là. Je vous dis tout de suite, les gars, ce d'en haut, il prévoit de descendre à 6 contre 4. Sachant que dans les 6, il me compte moi, donc je compte vous aider. Oh, let's go. Mais j'ai une charge 5 les autres. Wow. Bah, j'ai miné dans un deep dark. On fait quoi là? On va les tabasser ou quoi là? Ah, moi, je joue de la corde. Attends, hop, voilà, j'ai pris. Désolé. Un peu mieux. Bon, nous ne sommes plus beaucoup dans la partie. Deux problèmes se présentent moi cependant pour la fin. Je n'ai plus beaucoup de feux d'artifice et il y a un gros groupe avec des gens comme Restum qui continuent d'être soudés. Nous n'avons donc pas le choix, nous allons devoir affronter ce groupe. Puis ensuite il me faudra trahir mon groupe au bon moment. Ah, bah ils sont là. C'est qui ces gens là? Vous êtes qui vous? Mais frérot, vous. Eh, y'a Restum dans votre groupe, Mais non, mais il dit vraiment Restum. C'est la grosse. Comment ça, tu m'as pas vu de la game, frérot? Commencez pas, vous parlez quoi là? Qu'est-ce que vous dites en fait? Je crois que ça a des punch en face, hein. Et toi? Retourne dormir. Ah, c'est Restum, je crois. Petit couillon, putain, pardon. Mais pourquoi en fait, je comprends pas. Ils ont Infinity aussi. On fait quoi? Les gars, Infinity. Je crois qu'il faut back, hein. Mais on est sur la montagne, putain, on est sur la montagne, mais qu'est-ce qu'on fait, les gars? Mais faut avancer, les gars. Hein. Tiens, mange. C'est qui ça? C'est. Oh merde. C'est moi ça? Ah oui, mais bon, c'est Resident Evil. Tiens, casse-toi, toi, tiens, frérot. Ouais, faut y aller, hein. Ah ouais, mec, c'est que j'ai. Oh, j'ai des gros lags là. Derrière toi. Vas-y, sur lui, je suis arrivé toi. Oh ouais, mais attends, on est plus doux. C'est bizarre, tu peux. Genre, tu. Ouais, tu paniques quoi. Ouais, 10 coeurs et demi là. T'es sûr? Vas-y, tape. Là, il me reste 6 coeurs là, c'est tape, tape. Ah bah. Oh, par contre, vous voulez pas jouer les gens?
Viens, Guy. Je suis là, les gars, vous allez où? Mais go fight là. Gaffe à ta droite. Derrière toi. Pourquoi y'a un mec derrière moi là? C'est qui derrière moi là? C'est Restum. Mais vous êtes où les autres là? Qu'est-ce que vous branlez là? Oh, mais venez ici là, vous faites quoi là, les autres là? Ça trahit, je crois. Mais restez avec nous, vous faites quoi là? Pourquoi vous partez dans votre coin là? En fait, j'ai tabassé Toto en croyant que c'était Restum. Go sur la montagne là en face là. Vas-y, venez là-haut là, c'est bon. Tenez des flèches. Alors, juste en dessous là. Ah putain, je crois que ça va rush. Salut. Que ça va rush. Au revoir. Mais attends, mais d'accord, mais. C'est totalement en fait. Mais arrête de rigoler en fait. Restum, il est loin. Il est où, frère? Communiquez, les gars. Il est tout seul, hein. Attention, ça arrive, hein. C'est jamais là. Allez-y, moi je surveille derrière là. Faut qu'on reste collé, les gars. Faut pas qu'il y en ait un qui parte tout seul parce qu'il y a un contournement et c'est vite arrivé. On se fait dropper en 2 secondes. Donc il se casse. Voilà, bah y'en a, voilà, ils se cassent, tu vois, regarde, c'est qu'ils sont en PLS. Y'en a pas un qui était là, vous avez dit tout à l'heure? Si, y'en a un qui était derrière le. Je veux bien des gaps si vous en avez. Non, on en a pas. Ils sont juste là. Vas-y, suivez, hein, les gars, suivez. Hein. Voilà. Aïe. Ah bon. Hyper. Ah ouais, il fait trop mal ton arc. Bon, toi bien. Il va mourir. Il est finito là. Tu le tues. Pour tuer une certaine personne, mais ça compte pas du coup. A plus. Bien joué, je récupère tout, je dis pas ce que j'ai. C'est qui là? C'est moi. C'est qui là-haut là? Je sais pas, mais il m'a tabassé, il a pas eu respect. Dorf à Brock, hein, si jamais. Ok, c'est barré. C'est qui derrière? Dorfabrook, c'est qui là-haut? Ça parle pas derrière. Les gars, c'est très bien, voilà, c'est bien. Vous voyez, on en a pris un, les gars, bien joué. Par contre, là-bas, ouais, j'ai plus que 3 Firework, hein, c'est la merde. J'ai plus le trucker. Ah ouais, c'est chaud. Après, t'as le totem encore. Je suis bien dans la game là, en vrai. Hein. Bon, les gars, en vrai, j'ai plus de gap, mais en vrai, j'ai un stuff de bâtard là, je suis full P3. Hein, donc en vrai, on peut faire un truc. Moi, je suis pas full P3, mais je suis presque full P3. Venez, on va au centre là, on va chercher les autres. Ok, il reste plus beaucoup de monde là. On peut les sortir là. Y'a un mec là-bas. Ah, mais c'est Dwarf. C'est Dwarf et l'un des gars qui est en haut. Allez, on les tabasse. Revenez là. T'es pas obligé. Mais frère, tu vas rien faire. Ouais, bah on a pas de gap non plus. J'ai un petit peu potogène 2 là. Ouais, mais on s'en fout un peu de ta vie là, mon ref. Tu le. Allez, c'est vous la ref, hein. Je suis dernier en vie. Oh! Bah y'a un mec qui vient de se casser la gueule là. C'est le stuff de Juju que j'ai là. Voilà, je suis très bien, hein. Je masse de heal, je suis très très bien là. Ok, j'ai 9 fireworks. Ok, c'est pas mal. Je pense que plus personne a de gap et que je suis seul à en avoir. Du coup, en vrai là, je pense que je peux win. Je suis pas trop de la merde, je pense que je peux win. Ok, j'ai 15 gap encore. En vrai, je suis bien. Hein. Ah, c'est bon, Dwarf est mort. Et Totoma est mort aussi d'ailleurs. Ok, ah, on est plus que 5 en vrai. Alors commencer peut-être à trahir un jour quand même. Y'a un mec là-bas. Je vais y retourner, je pense. Eh, mon ref. Ouais, t'es qui? Ils ont trahi. Qui? Les deux autres, ils m'ont attaqué. Du coup, j'ai. T'as vu, Restump est mort? Restump est mort. Oui, j'ai vu, j'ai vu. Voilà, mais il y avait plus de gapple, 0 gapple. Donc, ouais, j'ai une gap là, hein, voilà, donc je suis très très bien quoi. Mais on tue l'autre qui est full netherite, non? Et quoi, après on fait un 2v2 contre les deux. Ouais, mais moi j'ai un problème, hein, gros de heal, hein. Ça va être chaud, hein. Mais toi je crois que c'est pareil. T'as quoi comme stuff? Là, je suis full P3. Et c'est toi qui as une épée sharpness 5, non? Ouais. Mais y'a du stuff là? Mais gros, y'a du stuff là? Je crois que je te vois pas que t'as une gap là, toi. Putain, je voulais qu'ils viennent, je voulais qu'ils me suivent. Bon, je l'attaque, hein. J'ai pas gap pour rien, mon gars, je te le dis, hein. Je gap, hein. Enfin, je l'attaque. Hein. Ça y est, le moment important approche. Je vais devoir saisir le moment parfait pour trahir. Ça sera peut-être ma seule chance. En face. Y'en a un des deux. Mec, oh, vas-y, on le tabasse. J'en ai rien à foutre, gros chivier en élytra, hein, je te le dis. Il est où, frérot? Il est où le type? Ah, tu l'as perdu! Mais j'ai entendu son bruit de micro, mais je crois qu'il a dit done. Ah, mais t'es sûr qu'il est parti si loin que ça là? Il m'aide à prendre un kill, il faut juste que je le clean après, j'ai du heal. Bah, moi aussi, du coup, donc c'est énorme parce que j'ai plus de gapple en fait. Moi j'ai toujours la mienne, mais ça m'a même pas rien sorti. Oui, c'est vrai que t'avais 2 caps, tu m'as dit. Attends, j'ai envie d'aller manger quoi. T'inquiète, tu passes pas. Bon, tu peux me tuer maintenant, s'il te plaît. Ah, mais attends, mais ils sortent du portail, mec. Non, je t'ai dit, mais bon, ça sert à rien. En fait, c'est bon, je voulais juste pas que le stuff passe dans le désert. Ok. Je voulais juste pas. Ah non, là, t'es sûr. C'est dans ça que, de toute façon, tu voulais m'attirer dans la caverne. Bah oui, bien sûr, frérot. Non, quand c'est pas moi qui trahis, c'est toi. Ouais, j'ai plus de gap, gros. Tu m'as au moins l'épée. Bah ouais, bah attends. Attends, je vais te mourir du feu avant. Ah non, c'est bon, j'ai un tueur. Non, elle est payée, au moins.
C'est la pire mort, frérot. La trahison s'est donc parfaitement bien passée. À partir de maintenant, je suis donc tout seul jusqu'à la fin de la partie. Il n'est plus question de faire une alliance quelconque. Je pense avoir récupéré assez de stuff pour pouvoir me débrouiller seul. Et je dispose encore de mon totem de résurrection qui m'octroie une vie supplémentaire. Le problème, c'est qu'il reste encore au moins un joueur full Netherite. Ouais, voilà. Parfait. Ce que je voulais, en fait, je voulais cette épée, quoi. Il en reste deux. Mais en vrai, je pense que je suis bien là. Hein. J'ai tellement de flèches, j'ai tout là. Je pense que je suis pas mal. Hein. Ah, mais il reste FLR Shock, ce qui est full Netherite, en fait. Bon, en vrai, après, avec le stuff que j'ai, en vrai, ça peut aller. Hein. Je pense la T5, là, ça peut le faire. Bon, bah écoutez, bon stuff. Hein. Je sais pas où sont les derniers, par contre, c'est une dinguerie. Je sais pas où ils sont. J'espère qu'ils m'attendent pas là-haut. Par contre, du coup, bah là, en vrai, je suis deux pièces P4. J'ai une T5 en Netherite, donc. Ah non, c'est une sharpness 4 en Netherite, mais il m'a mis tout alors. Ah, mais ça sert à rien, du coup, en fait, ça sert à rien son épée. Je vais garder la fire. Hein. Ah, ça y est, enfin, un mec là-bas. Allez, bon, mon ref, je t'ai vu. Par contre, petit problème de heal, quoi. Donc, tu vas me défoncer, quoi. Ouais, c'est ça. Bien sûr que je te crois. Bah, frérot, je sais, il m'a toujours raconté ce que t'as fait, donc. Bien sûr que je vais te croire. Hein. Bah, crois-moi pas. Par contre, il reste que nous deux, donc tu peux te fight, quoi. Il reste pas que nous deux. Hein. Ouais, mais le dernier, frérot, il est parti dans le Nether, quoi. Moi, j'en ai rien à foutre, je viens de chercher jusqu'au bout s'il faut, mon gars. Toi, t'as tout le stuff de la terre, t'as des gaps et tout. Mais j'ai tout le stuff de la terre, t'es full Netherite, je suis full Diams, qu'est-ce que tu me racontes, mon gars? Ouais, bah, t'es full P4, quoi. Oui, c'est clair, ouais. Je t'avoue que j'ai pas de heal, hein. Oui, bon. Allez, c'est fini, hein. Alors, le totem qui prend toute la place. Ouais, bon, c'est fini, je peux pas. C'est quoi ce truc pété là? C'est Pierre 5. Ah, moi aussi j'ai ça, mais bon. T'es sûr jusqu'à quand la régène? Je sais pas. Ok, je vois la table normalement. C'est fini. Hein. Putain, j'ai dû claquer le totem, et je pouvais plus rien faire là. Faut voir son stuff là, il était quoi? Loyalty. Ah ouais, ça c'est mieux. Ah ouais, ah oui. Ah oui. Ah oui. Oh, mais le stuff de fou, frère, il est full P4. OMG quoi. Full P4, sharpness 5, mec. J'ai jamais eu ce stuff en UHC, c'est une dinguerie quoi. J'ai jamais eu ce stuff en UHC, c'est incroyable. Oh, j'ai jamais vu ça de ma vie. Bonsoir, ça va ou quoi? Bah, je t'explique. J'ai deux cœurs, Noël. Tiens. Tu me dis quand t'es full vie, t'inquiète. S'il faut, je t'en redonne une autre, ouais. Au moins. Bon, je t'avoue que je viens de tuer un gars qui était full P4 Netherite, sharpness 5. Je t'avoue que j'ai pas trop compris là. Allez. GG. Bien joué. Let's go! Putain, ça faisait longtemps que j'en avais pas gagné une, hein. OMG, ça faisait longtemps que j'en avais pas gagné une! Let's go! Let's go! Ça faisait tellement longtemps! Oh, et le killboard! En plus, je suis premier en kill! Ah, ça fait plaisir! Ça fait vraiment des années, hein, que j'ai pas eu ça, hein. Les gars, retourne dans dormir, la game là! Retourne, c'est pour vous! Retourne dormir! J'ai finalement remporté ce FDP UHC et je reprends mon titre de FDP Ultime. J'espère que ce concept vous aura plu. Tout se joue autour des alliances et des trahisons, finalement. Un vrai jeu de stratégie. N'oubliez pas de liker la vidéo pour le retour, ça me ferait super plaisir. Un petit commentaire pour le référencement aussi, voilà. Et puis n'oubliez pas, abonnez-vous, on doit rattraper Twitch qui est bientôt à 380 000. Faut qu'on atteigne les 400 000 ici avant qu'on les atteigne sur Twitch. Alors vous savez quoi faire, le petit bouton rouge là. Et puis sinon vous pouvez aussi me suivre sur Twitch. Je live tous les jours là-bas.